Je l'ai croisé par hasard quelque temps plus tard. Il faisait la manche devant le supermarket. Il paraissait centenaire. Il lui manquait une jambe. Son pantalon, replié et fixé avec une épingle à nourrice, formait une boule à mi-cuisse. Il ne jouait pas aux échecs, ne faisait rien, hormis marmonner tout seul.